Rhythmatic movements in unison with others prolong and
for your mind, your body, and your soul. Bon, ben voilà, bonjour à tous. Je ne sais pas quelle heure il est, il doit être pas loin de 14h. On va attendre encore un tout petit peu pour commencer vraiment dans le dur, enfin dans le dur, en tout cas dans le dur de vos questions éventuelles.
Voilà, on va essayer de réfléchir un peu. Donc, je vois que vous êtes déjà 10. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions précises ou des thèmes sur lesquels vous voulez plus de détails. Je propose que vers 14h05, on repasse les slides de façon très rapide et que quand vous avez une question sur un slide, on la détaille et on la creuse. Comme ça, vous avez réponse à l'ensemble de vos questions. Voilà. Est-ce que ça vous va? Yes. Eh bien, je vais déjà me mettre en position de partage. Voilà, comme ça, je ne suis pas dans le chemin de mes titres. Voilà, merci pour le follow. Alors, j'ai coupé les alertes visuellement. Donc, merci Dante. Ah, voilà, Eugène. Bonjour Eugène. Max et moi avons beaucoup apprécié le chapitre sur les villes connectées avec les exemples que vous avez donnés. Je ne me rappelle plus bien de la partie sur les villes connectées. Tiens, bah, ce sera dans les slides. J'avoue que j'ai tellement de trucs dans la tête que je suis pas toujours très, j'ai pas une très bonne mémoire. Donc voilà, mais on repassera tout en accéléré. Sauf si vous avez des questions précises, mais pas de questions sur les villes connectées. Alors le chapitre, vous étiez satisfait du chapitre, mais pas de questions dessus. Alors, encore quelques minutes. Ce que je vais faire. Non, ok. Donc. Alors, oui, d'ordre pratique, n'hésite pas. On peut. Vas-y, vas-y. N'hésite pas si tu as des questions. On y va. Ben, ce sera à QCM. Je dois encore écrire les questions pour être tout à fait transparent. L'idée de ma perspective, comment comptez-vous nous interroger au vu de la matière très large? Alors, ce sera principalement des questions de culture générale sur les thèmes abordés ici. Donc, je vais probablement voilà, vous demander de spotter les limites planétaires ou de voir certains détails sur le puits pétrolier. Quelques voilà, ce seront pas, il y aura pas de questions pièges. S'il faut, ce seront peut-être parfois une question ouverte ou autre pour que vous puissiez donner votre avis. Ça c'est aussi une possibilité. Je dois encore un peu voir en fonction de voilà, ce sera un questionnaire en ligne qui s'additionnera au questionnaire de Nicolas Lambert. Et donc voilà, mais ce seront des questions qui seront tout à fait possibles de répondre à partir du moment où vous avez l'info qui a été donnée au cours sur les slides. J'ai peut-être. Alors, en ligne, ça, je ne sais pas. Je dois encore voir les détails de l'examen. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça pourrait même être à cours ouvert et avec Internet si c'est. Alors, j'ai pas dit que ce sera sur Internet, j'ai pas dit que ce sera ouvert ou autre. Je m'alignerai avec Nicolas Lambert là-dessus. Et ce n'est pas encore très clair. Mais voilà, ce seront des questions soit à choix multiples, soit salut Dada, soit des questions ouvertes. Voilà, ça c'est à voir. Alors, donc, on va repasser les slides en revue. Vous avez, je vous invite, et d'ailleurs je vous invite, je vais vous lancer l'URL dans le chat, vous avez une version plus structurée du contenu ici, donc sur futurimedia.net, ici, voilà, hop, voilà. Ah merde, ça ne copie-paste pas ici. Ah oui, voilà, ça c'est une. Attendez, parce que j'ai un bug dans OBS. Je dois le copier-coller dans le browser. Voilà. Donc ici, vous avez le site que je vous montre à l'écran.
avec les différents chapitres et toute la structure. Donc ça, déjà, ça va vous permettre de voir. Alors le texte est super. Voilà, il faut vous référer au message que vous avez envoyé. Ce site n'est même pas un site, c'est même pas une version alpha, c'est rien, c'est un brawl. Je suis en train d'y structurer du contenu. Et là, par contre, vous aurez en dehors d'une longue série de slides, vous avez quelque chose de nettement plus structuré. Alors, la structure, c'est quoi? C'est. Oups, j'étais un coup trop loin. Donc, le préambule, pourquoi ce cours existe. Ensuite, l'accélération. Hein, donc, vous voyez ici, si on va dedans, donc voilà, on parle de la. Le texte vous donnera des informations qui peuvent effectivement être utiles. Néanmoins, n'espérez pas trouver un texte. Comment dirais-je, abouti en termes de style. Il y a des pages, ça va s'arrêter assez vite puisque je commence. Mais par contre, la structure, les slides, les vidéos sont présentes. Et donc, voilà, moi, je vous invite à vous informer là-dessus, à voir voilà, les graphes qui sont communiqués dans les différentes parties du cours. Ce sera peut-être à cours ouvert, pourquoi pas, avec recherche Google éventuellement. Je dois encore voir ça avec Nicolas Lambert, dans la mesure où si ça se donne en cours sans accès à Internet, ça va être compliqué pour moi de rajouter ça en plus. Mais donc voilà, vous avez donc les différents chapitres ici. Vous avez. Ah merde, putain, je reviens à chaque fois trop loin. Sorry. Alors, comme j'ai bien zoomé, c'est plus du tout la même vue. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc ensuite, vous avez la partie sur le changement qui s'accélère. Donc voilà, quelques exemples de lois que je vais vous demander éventuellement. Le stream sera dispo en replay sur la chaîne YouTube. Donc, bon, et sur Twitch évidemment aussi. Mais sur la chaîne YouTube qui se trouve ici. Voilà. Donc ça c'est. Voilà, là-bas. Donc vous voyez, vous avez exactement les slides, vous avez une partie du texte. Malheureusement, je vous dis, je suis plutôt quelqu'un qui parle que quelqu'un qui écrit. Donc le travail d'écriture est quelque chose qui me demande du temps, dont je manque cruellement. Mais voilà, vous avez tous les détails ici. Éventuellement, n'hésitez pas à screener ça pendant qu'on est en train de parler pour voir s'il y a des points que vous souhaitez plus à même de creuser, que je peux revoir. Je ne vais pas m'amuser à vous interroger sur des vidéos fort longues. Donc je ne vais pas, par exemple, aller vous poser des questions sur le film d'hypernormalisation qui fait 2h40. Par contre, s'il y a des vidéos courtes de quelques minutes, je vous invite à les consommer parce que voilà, c'est effectivement. Il peut y avoir des informations intéressantes. Donc voilà, vous voyez ici, vous voyez par exemple, ici, il y a des idées d'écriture que je n'ai pas faites. Donc vraiment, prenez ce site pour ce qu'il est, une aide à la structure, une aide au suivi. Ah, salut Kiki, tu vas bien? Oui, bah, écoute, voilà, on est en live avec les étudiants de l'IEX sur la partie du cours que j'ai donné, sur lequel d'ailleurs tu étais. Allez. T'es venu lors de la préparation, du live de préparation, je pense que tu étais là. Donc voilà, vous allez retrouver une série de choses ici. Alors là, j'ai peut-être un peu trop zoomé, désolé, mais c'est parce que je voulais vous faire lire le texte. Et alors, voilà, vous avez ici différents points sur les frictions technologiques. Voilà, vous avez. Bon, les pages sont méga lourdes, hein, je vous ai dit, j'ai pas encore du tout pris le temps d'optimiser tout ça. J'essaierai en fonction des questions que vous avez ici. Donc, si jamais il y a des points, n'hésitez pas à les lister. Comme ça, moi, je les prends et je peux compléter l'info ici en fonction des questions. Alors, non, c'est un cours de publicité et d'éco-responsabilité. Et moi, j'ai fait la première partie qui ne parle ni de publicité ni d'éco-responsabilité, mais qui est une prise de hauteur justement sur toute l'approche prospective. Cours ouvert, ça pousse plus à la réflexion, c'est d'autant plus pertinent au vu du cours que vous donnez. Oui, c'est probablement une bonne piste. Je reviendrai par écrit sur base de ça. Mais voilà, c'était ça aussi le but du live. Hein. Je l'ai dit au cours, je n'ai pas encore pensé à l'examen. Je n'ai jamais fait d'examen
J'étais assez contre le principe à la base, mais voilà, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il est important quand même de vous donner des infos qui sont peut-être moins des hard skills, c'est moins des choses que vous pouvez actionner tout de suite, mais qui sont par contre des choses qui donnent du contexte, des grilles de lecture, une possibilité. Merci Eugène pour le follow. Une grille de lecture sur les événements et la capacité aussi d'amener du carburant à votre pensée critique, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est. Merci, Dada. Et merci, Mreli. Oui, Mreli. Enfin, en tout cas, merci. Donc, voilà. Ça, c'est la base de l'information. Je dis, vous allez trouver absolument tous les points ici. Merci, merci. J'ai coupé les alertes visuelles, mais je n'ai pas coupé les alertes son, je pense. Mais voilà, c'est très bien. Donc voilà, vous avez ici une série de choses. N'hésitez pas, je vous dis, c'est des exemples. Voilà, ça va vous donner surtout la structure du cours. Voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions formelles, mais donc je vais essayer de m'orienter vers un examen à cours ouvert avec Internet. Je vous avoue que je vais quand même essayer de minimiser le temps de correction, mais un bête QCM aveugle sera probablement. Ça pourrait être de l'ordre du site ou sur Internet, parce que les infos, en fait, moi, mon site, c'est principalement donc l'exposé du cours, quelques articles de fond, des vidéos de fond, mais comment dirais-je, c'est là où je fais ma curation de contenu, en fait, hein. Donc, en fait, mon site, c'est le contenu que je consomme sur Internet, qui est sur le futur et qui est stocké là-dessus. Ma question s'est un peu perdue. Comment conseillez-vous de revoir et étudier la matière? En somme, comment se préparer au mieux à votre examen? Alors, moi, je pense que la meilleure façon, c'est de prendre le site, de parcourir, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ici, hein, on va repasser en revue les grandes thématiques et d'aller regarder les grandes infos clés. Les grandes infos clés de ces thématiques. Je ne vais pas m'amuser à aller chercher des petits trucs. Voilà. Par contre, je vais peut-être vous demander une loi ou l'autre. Tiens, ça parle de quoi la loi? La loi de machin, où vous parlez d'accélération, vous donnez des ordres de grandeur, de tiens, les capacités de calcul des ordinateurs. On fait combien d'évolutions en termes d'échelle, mais je ne vais pas vous donner genre 10 000, 10 002 et 10 004. Je vais vous donner des ordres de grandeur pour. Voilà, c'est juste. L'important, ce n'est pas que vous connaissiez ce cours par cœur. L'important, c'est que vous ayez une compréhension des enjeux. Voilà, si par exemple, on voyait cette conférence qui était vraiment très intéressante sur Come to Zero ce matin, ben clairement, si seulement la façon de communiquer se fait plus durable et plus responsable, ça ne sert à rien si c'est pour vendre des bulldozers au charbon qui sont faits pour raser la forêt amazonienne pour en faire un parking. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, il y a le récit, il y a la vision sociale, il y a le fait d'avoir envie. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas évident. On continue à vous donner envie sur des produits, sur des destinations de voyage, tout en vous culpabilisant sur le fait de l'acheter et de partir. On parle de tout ce qu'on veut quitter, on parle de décroissance, on parle de croissance verte, on parle de post-croissance, mais en fait, on ne dit pas où on va. Et donc, voilà, le problème du narratif, de l'absence de vision, de l'absence de. Plutôt que de dire on va moins consommer, on va moins voyager, on va moins. Si on vous disait qu'on va faire plus de contacts sociaux, plus de collaborations intelligentes, qu'on va avoir un mode de vie plus relax, où on a le temps de profiter vraiment de choses, etc., etc., peu importe, ben, en fait, on ne vous dit pas qu'il y aura moins de ça, moins de ça, moins de ça. On vous parle de quelque chose d'inspirant de l'autre côté. Voilà, ça c'est vraiment, c'était les grandes lignes de mon cours. C'était comprendre les moyens pratiques qu'on a. Donc, on va commencer, je pense que là, on est bon, hein, il est 13. On va vite passer les slides en revue. Donc, comme je vous l'avais dit, d'abord, on parle des limites. Hein, donc, un, on arrive aujourd'hui, après 50 ans de croissance effrénée et d'une situation, d'un welfare, hein, donc
une époque de bien-être sans commune mesure à échelle de l'humanité. Je veux dire, on a fait un progrès en termes de confort et autres qui est absolument hallucinant. Mais malheureusement, on arrive à des limites qui fait qu'on sait qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et si on peut quand même continuer à découvrir des mines de cuivre, des trucs et des machins, jusqu'à quand c'est raisonnable d'aller retirer des couches de nature pour creuser le sol, pour y injecter des produits toxiques, en sachant qu'on arrive à un point de bascule où la nature commence à avoir du mal à rester stable, à se régénérer elle-même et ce genre de choses. Donc voilà. Ça, c'est un des gros points, hein. L'anthropocène. Donc voilà, une des questions, ça pourrait être quelle est l'ère dans laquelle nous sommes rentrés, Holocène, Anthropocène, Paléontocène, voilà. Et puis la question suivante, l'anthropocène, c'est quoi? C'est l'ère géologique où l'homme a l'impact dessus, c'est l'ère géologique où ceci, c'est l'ère géologique où cela. Voilà. Ça pourrait être des questions. Si on va sur un QCM, si on va sur des questions plus ouvertes, à voir. Donc on est arrivé donc voilà sur le fait qu'aujourd'hui les plus riches et les plus à même de changer le système sont ceux qui en profitent le plus et donc ont moins envie d'y aller. Hein. C'est le fameux, il est difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand son salaire dépend du fait qu'il ne le comprenne pas. Puis voilà, on voit ça. Ensuite, on ne sait pas où on va. On n'arrive pas à imaginer l'après. Voilà, donc il y a la partie sur le changement qui s'accélère. C'est quoi l'exponentialité? C'est quoi la loi de Moore, la loi de Kreiders, Metcalfe, Gliders, enfin voilà, tous ces trucs-là. L'évolution de la taille des ordinateurs au fil des décennies. Voilà. L'évolution de la capacité de calcul au fil des âges. Enfin des dernières décennies, hein, pas des âges dans l'absolu, l'exponentialité de la quantité de data, l'exponentialité dans l'évolution des produits, sa miniaturisation, sa puissance et autres. Donc voilà, avec des exemples de câbles et de voilà, la qualité des photos. Donc tout ça sont des exemples d'exponentialité. Hein. Il y en a, en veux-tu, en voilà, pour vous montrer qu'elle est vraiment partout. Donc voilà, la réponse écologique slash environnementale exponentielle, elle aussi, à notre frénésie exponentielle de consommation. Est-ce qu'on arrive à la fin de la loi de Moore? Est-ce qu'il y aura une fin à la loi de Moore? Les limites de la croissance qui annoncent justement cette fin d'exponentielle avec cette espèce de chute d'abord des ressources et puis de toute une série de choses en plus. Ensuite, l'arrivée de chapitre sur le choc du futur, donc l'œuvre clé, l'ouvrage clé de Alvin Toffler qui parle justement de cette exponentialité, de la difficulté de, comment dirais-je, de gérer le changement rapide, global et puissant. Alors, le cours est fini. Oui, on va revoir l'ensemble du contenu des trois cours en résumé rapide aujourd'hui sur le live. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, Eugène. Rassure-toi. Mais je voulais juste passer. Si jamais vous n'avez pas de questions, l'idée, c'était aussi de voir. Si maintenant tu as des questions spécifiques, alors pas de problème. Moi, je voulais juste revoir le point pour si jamais quelqu'un avait une question. Mais sinon, non, pas du tout. Donc voilà. T'as un feedback? Tu trouves ça. Tu proposes une alternative? Parce que moi, je ne voyais pas le. Voilà, là, je donnais un peu plus de contexte pour ceux qui ne l'avaient pas suivi. Mais voilà, l'idée, c'est de survoler les trucs pour voir si quelqu'un avait une question à ce moment-là, de pouvoir la poser. Mais si tu as une autre proposition, moi, je suis preneur, hein. Mais c'est ça que je comptais faire. Ah voilà, bah oui, ça, bah voilà. Moi, je pensais avancer comme ça et entre-temps avoir les éventuelles réponses, enfin questions plutôt, c'est moi qui fournirai les réponses de votre côté, quoi. Donc voilà, donc je parlais justement du fait que on arrive dans ce choc du futur. Ce choc du futur qui annonce en fait quelque part que les 20 prochaines années vont être plus radicales en termes de changement que les 3 siècles précédents, donc l'humanité va plus changer maintenant que précédemment. Or, le changement, c'est le mouvement, c'est la friction, et donc ce monde va voir de plus en plus de frictions arriver. On rentre dans une série de décennies
qui est relativement complexe au niveau de la friction, justement de la difficulté à gérer le changement. Et c'est exactement ça le choc du futur. Il suffit de voir, oublions la crise environnementale un instant, rien que si la technologie continue, vous voyez toute la friction auquel on est confronté, puisque rien que l'IA qui va automatiser toute une série de choses, l'arrivée des robots, je ne sais pas si vous avez vu ces dernières semaines, les annonces du côté de Tesla et d'Optimus, du côté de l'omniverse de Nvidia et Groot, son modèle pour robots. Enfin, voilà, il y a une Eve, la boîte chinoise qui lance aussi ses robots industriels. Il y a énormément de choses qui se passent. Pourquoi? Parce que la robotique est elle aussi propulsé très fortement par l'intelligence artificielle, puisque c'est globalement le cerveau de la machine. Donc voilà, donc tout ça, rien qu'en technologie, l'impression 3D, les objets connectés, la mutation du web qui va devenir de plus en plus un endroit de machine et moins un endroit d'humain, puisque l'information va venir à nous, la réalité mixte, la génétique, la prolongation de la vie, la diminution du vieillissement, puis progressivement son arrêt, éventuellement son inversion, enfin toutes des choses qui sont en train d'arriver dans le radar qui sont absolument hallucinantes. Hein. On parle même de ressusciter des espèces, de-extinction, des espèces qui ont disparu. Et donc voilà, Novo Nordisk, tout à fait. Donc voilà, toutes ces choses-là sont déjà absolument bouleversantes. Mais en plus arrive la crise environnementale, les ressources qui se raréfient, toutes ces choses-là qui pourraient mettre un sérieux coup de frein dans le progrès technologique, mais un monde, parce que bon, soyons clairs, le degré et demi, on n'est pas encore officiellement au palier, même si cette année a été entièrement partout dans le globe, en moyenne à plus d'un degré et demi, et l'année précédente aussi. Donc il n'est pas impossible qu'on ait déjà franchi le degré et demi. Autant vous dire que pour la fin du siècle, c'est plutôt un scénario. Pour l'instant, on parle plutôt de 2 degrés, 6 à 4 degrés, et moi je pense que c'est plutôt 4 degrés. 4 degrés, il faut bien vous dire un truc, c'est toute la bande intertropicale pour laquelle il serait quasi impossible de vivre. Le bassin méditerranéen, une bonne partie de l'Espagne, le sud de la France, une bonne partie de l'Italie seront impossibles à vivre. Hein. On parle de plus de 200 jours par an à près de 50 degrés avec un taux d'humidité donc potentiellement mortel. Tout ça, voilà, c'est à 4 degrés avec une bande intertropicale où il y a probablement 2 milliards de personnes qui vont vouloir bouger. Et donc, voilà, 2 milliards de personnes qui veulent bouger. Vous avez vu quand c'est quelques Ukrainiens ou là, on les accueille. Par contre, quand c'est quelques Syriens ou des Palestiniens, on les accueille pas. Donc, imaginez tout d'un coup toute la bande intertropicale qui commence à se déplacer. C'est pas souhaitable. Bref, ce genre de choses arrive de façon très fortement. Alors, j'ai rangé toutes les frictions par catégorie. Hein, donc, j'utilise un framework qui s'appelle STEEP, comme social, technologie, environnement, économie, politique. Et donc, j'ai rangé toutes les frictions. Enfin, alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais toutes les frictions dedans. Alors, un, comme je l'avais dit, tsunami technologique. Deux, le digital est partout, donc le digital est mort, c'est les fondations. Trois, beaucoup d'informations. L'effet Dunning-Kruger, voilà, le fait que les gens ne se rendent pas compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils ne pensent. Le nuage absolu de la marée d'informations, mais aussi les fausses informations, les deepfakes, les génératives AI, et toute l'arrivée des, justement, le nombre d'arnaques et de criminalités. Qui est en hausse complète en cybercriminalité. J'entendais par contre quelqu'un qui lui est dans la police criminelle qui disait que les braquages de banque étaient un truc qui tombait absolument complètement en désuétude. Donc voilà, criminalité qui se déplace. On avait parlé aussi de comment se construisent les théories de la conspiration, le fait que bah, les algorithmes nous séparent de plus en plus, qu'on les nourrit et donc ils nous donnent un truc personnalisé sans plus jamais nous surprendre ou créer de l'accident, donc on s'enferme progressivement dans une bulle de filtre qui fait qu'on pense que le monde nous ressemble alors que le monde est souvent très différent de nous. Hein, donc c'est un peu comme dans la matrice. Ici, on voit un exemple de cette bulle de filtre où on voit qu'en fait le monde est plein de différences, mais nous, via nos algorithmes, on est toujours les mêmes. Parler de la relation à la réalité et donc de l'ère post-vérité. Hein. La relation à la réalité, même la guerre, où on voit où on a maintenant des gens qui se battent en pilotant des drones à des milliers de kilomètres de la scène. Le fait bah, que
arrivée technologique, comme je vous l'avais dit, dans les frictions, voilà, ça crée de l'automatisation, beaucoup d'automatisation, une nouvelle vague qui sera probablement plus radicale encore que l'autre, les risques de dérive, donc on parlait des killer bots et voilà, tout ce qui est machine intelligente dans l'exemple. Le fait qu'on se rend compte, grâce notamment à des nouveaux instruments de mesure, on a beaucoup de savoir et donc il y a beaucoup de breakthroughs technologiques, notamment sur l'univers, hein. Là, on est en train de vraiment se demander si on avait raison ou pas avec le Big Bang et son âge et l'univers en expansion, toutes ces choses-là, on est en train de se poser des questions. La physique quantique et la physique, la matière noire, enfin, je ne sais pas si vous suivez un peu ces choses-là, mais on se rend compte qu'en fait, peut-être qu'on a construit beaucoup, beaucoup de choses sur des théories qui sont soit très, très incomplètes, soit fausses. Bon, on savait qu'elles étaient au mieux incomplètes, mais là, on commence à se demander si elles ne sont pas en plus fausses. Désolé, ça c'est mon téléphone que j'ai pas mis sur avion. Voilà. Alors, donc le fait que le code est loi, hein, donc le code c'est des règles qui sont inviolables et qui sont invisibles et tacites. Le fait que le concept de vie privée a largement muté pour devenir une vie, alors, français, une vie privée ambiante, si ça se dit, mais voilà, le fait que dès que vous sortez dans les rues, vous êtes filmé, identifié, votre plaque élue, le fait que quand vous faites un paiement, voilà, en fait, toutes ces données qui coulent votre empreinte numérique, c'est évidemment un point de vie privée. Or, fondamentalement, on avait l'habitude que la vie privée, c'était ce qui se passait à l'intérieur de chez nous. Et si on fermait les portes et les rideaux, normalement, on était tranquille, à part éventuellement on pouvait éventuellement nous mettre sous écoute, mais c'était à peu près tout. Donc voilà, tout ça, évidemment, évolue très très fort. Alors, ça, c'est pas moi, il bouge le truc, c'est mon slide. Est-ce que je suis. Là, je suis là. Voilà. Donc, du coup, voilà, hein, toujours cette histoire de Ambient privacy, les histoires d'abus, donc dire ouais, mais de toute façon, je m'en fous, moi j'ai rien à cacher. Voilà, déjà, la longue liste des abus, je vous avais donné les boîtes de fitness, la société TomTom, les 23andMe, les boîtes d'analyse génétique pour retrouver ses ancêtres et compagnie qui partagent les données avec des assurances, enfin, partagent, vendent les données d'assurance. Il y a déjà des réponses pour l'espace, c'était comme de Star Trek en fait, réseau mycélien, on a nommé ces matières blanches, pas de chance. Alors là, par contre, ah oui, tu parlais pour l'espace, ok, sorry, j'étais plus là, du coup, j'avais pas tout compris. Alors, ensuite, on parlait justement du coup de ces privacy et de qui détient ça, et donc du risque de dictature numérique et voilà, avec d'autres cas plutôt gouvernementaux et autres, avec Cambridge Analytica, Prism, qui sont des exemples d'abus. Également aussi la chance que voilà, le contre-pouvoir, tant que pour l'instant encore, est encore quelque chose où un groupe tout petit peut avoir un impact énorme. Est-ce que ça va durer? J'espère. Et a priori, la technologie est toujours contournable, certainement numérique, mais jusqu'à quand? Donc ça, c'était pour les frictions technologiques. Il y avait les économiques, avec le fait que, étant donné que le monde devient de plus en plus compliqué, les gens qui ont les compétences pour pouvoir être efficaces dans ce monde sont de plus en plus rares. Et donc, les gens qui ont vraiment ces compétences vont avoir un pouvoir hors normes par rapport à ça, le fait aussi que de plus en plus de jeunes diplômés refusent d'aller faire carrière dans des boîtes qui font pas de ce monde un monde meilleur, même si c'est des boîtes où on est bien payé, qu'on peut avoir une carrière stable et compagnie. Aujourd'hui, ce sont des choix qui ne prévalent plus chez beaucoup de jeunes diplômés. Un monde économique qui change, où c'est plus seulement les États-Unis et le G7, mais c'est le BRICS, c'est plein d'autres pays, hein. Il y a le MINT, le PIST, tout ça sont en fait des pays émergents économiquement, et donc on a un monde multilatéral, ce qui est mieux et moins bien. Voilà, un monde multilatéral, c'est mieux, mais c'est aussi plus risqué. On a plus de chances d'avoir la guerre dans un monde multilatéral que dans un monde bilatéral ou unilatéral. Bilatéral, c'était la guerre froide. On a vu qu'en fait, on avait
Un monde très stable, en fait, hein, une fois que plus personne n'osait faire la guerre de peur de s'autodétruire complètement avec les armes nucléaires, en fait, on a eu une période très très stable. Puis le mur de Berlin est tombé avec l'URSS, et là, on a eu un monde unipolaire pendant 30 ans, monde qui a utilisé la doctrine néolibérale et qui a un peu tout niqué. Mais voilà, après ça, on a tout niqué, mais de façon très pacifique. En tout cas, si vous n'étiez pas un petit pays qui avait du pétrole, c'était très pacifique. Une fois que vous étiez dans le giron des sociétés pétrolières et des gouvernements pétroliers, c'était moins le cas. Bref. Donc, une économie qui est faite de bulles et d'assets toxiques, et qui est voilà, un débraiement entre la réalité des gens et l'argent. Le fait qu'on ait aussi beaucoup de promesses technologiques qui sont en fait des fausses annonces pour attirer l'argent des investisseurs et générer de l'intérêt artificiel sur quelque chose, un peu comme Musk qui dit depuis 8 ans que dans 8 ans il est sur Mars. Et donc, c'est un peu demain on rase gratis. Ben, lui, c'est dans 8 ans on est sur Mars, et il dit ça à peu près tous les ans. Le fait que tous les experts disent qu'on attend la crise des crises économiques, et ça fait 12 ans qu'on l'attend, et tout le monde dit oui, c'est vrai qu'elle n'est pas encore arrivée, mais qu'il y a des signes, et c'est vrai que les signes sont là, donc on attend cette putain de crise, et en même temps, elle n'arrive jamais. Donc c'est très très paradoxal, c'est comme le puits pétrolier, et c'est très très compliqué de voir, parce qu'on fait des calculs sur des trajectoires, puis il y a des choses qui arrivent en plus, donc voilà, mais c'est là. Donc voilà, notamment un rapport de McKinsey anticipé la crise que je ne vous demanderai pas de lire parce qu'il fait plus de 100 pages, mais qui est très très intéressant justement sur ça, les effets du changement climatique sur l'économie et sur les entreprises. Une économie qu'on avait voulu ultra performante et donc où tout avait, vous commandez sur Internet, à la limite le produit est fabriqué en Chine avant de vous être envoyé d'arriver en 3 jours, et bien c'est ultra performant, mais c'est très fragile évidemment. Et donc au moindre truc un peu genre un Covid ou autre, ben c'est toute l'économie qui cale. Donc voilà, ça c'est aussi qu'on a vu, avec l'idée que pour être très performant, il faut renier de la résilience, et quand on veut être résilient, et bien il faut être un peu moins performant. Avec des exemples, notamment comme l'exemple du Ever Given, le bateau qui avait bloqué le canal de Suez pendant 3 semaines et qui a coûté des centaines de milliards, voire même, je me demande, c'est pas plusieurs trillions à l'économie mondiale. La crise logistique, pareil, hein, où on avait même des pétroliers qui faisaient la queue et où à un moment le pétrole est arrivé à prix négatif. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça pendant le Covid, à un moment, on devait presque être payé pour remplir notre citerne à mazout. Voilà, ça n'est arrivé qu'une fois dans la vie. Une économie colosse au pied d'argile, hein, puisque notamment aujourd'hui, les processeurs les plus adaptés au monde sont fabriqués à un endroit, c'est Taïwan. C'est pour ça aussi que c'est un peu chaud Taïwan. Et pour fabriquer ces processeurs à un endroit, ils doivent acheter des machines à 300 millions chez ASML, une boîte hollandaise, qui sont les seuls à faire ce qu'ils font. Donc, vous imaginez que toute l'informatique de pointe, elle repose globalement, enfin, quand je dis tout, c'est à quelques exceptions près, mais il y a un pourcentage relativement important qui repose sur une entreprise et puis une autre entreprise. Et en fait, le monde de la technologie, c'est beaucoup ça. Et donc, c'est un monde qu'on a voulu très performant, mais très peu résilient. Il est temps de se poser quand même ce genre de questions. Donc voilà, les risques d'inflation, de récession. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose de voilà, l'économie c'est de l'énergie. Donc s'il n'y a plus assez d'énergie, on a une décroissance de fait. Hein, c'est ce que Jean Covici raconte en permanence. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'on fait la transition énergétique depuis des années. C'est faux. Cette transition, elle est au service de l'économie et de la croissance. Et donc en fait, quand on voit ici, on voit qu'en fait, ben, la grosse partie natural gas, huile, charbon, ben, c'est du fossile. On a la biomasse ici qui est un peu sympa. Et puis on a le nucléaire là, pour ceux qui ne sont pas contre, ben, voilà, ça va. Mais vous voyez que c'est que dalle, hein, le nucléaire. Et puis on a les renouvelables ici, c'est pour rigoler. Et donc en fait, si demain, contrairement à ce mouvement qui aurait fait qu'on aurait été un peu moins dans la croissance économique, mais un peu plus dans la transition, il n'y aurait plus de pétrole, c'est pas grave. Sauf que là, ici, si à un moment ça cale, bah, ça va être compliqué. Et alors, pour les pays producteurs, ça va être compliqué moins vite, mais pour des pays comme l'Europe qui n'ont aucune production pétrolière, bah, ça va être vraiment très compliqué. Et qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura plus assez? Est-ce que vous pensez vraiment que ceux qui en produisent vont nous le vendre ou ils vont le garder pour eux? Bah, ils vont le garder pour eux. Et donc, voilà. Bref, c'est pour ça que l'Europe doit absolument faire cette transition et qu'elle doit s'en foutre si les autres
le font également. Donc voilà, problème de la privatisation, c'est que ben voilà, elle est aussi, il y a du conflit d'intérêts, il y a de la collusion, il y a de la corruption, et donc que voilà, quand on voit maintenant à quel point les entreprises, les méga entreprises sont tentaculaires, on se rend compte que les conflits d'intérêts et que la corruption, la collusion du système est difficilement contestable. Voilà, par exemple ici les quatre plus gros groupes de fonds d'investissement, à quatre, ils pèsent 25,3 trillions de dollars. Imaginez le délire que c'est, ils sont dans à peu près tous les boards, tous les conseils d'administration des 500 plus grosses boîtes du monde. Donc voilà, comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans ce genre de situation? Alors, donc ici, c'est une phrase de Scott Galloway, je vous invite à aller voir ses vidéos de nouveau, je ne poserai pas de questions dessus, mais c'est absolument génial ce qu'il fait. Et voilà, il explique qu'en 2023, bah, voilà, on a une plus grosse équipe de relations publiques chez Meta que de journalistes au Washington Post. Et donc, c'est quelque chose qui, voilà, qui pose de vraies considérations sur la qualité du système commun, de la citoyenneté, de la nation. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une société au service du commerce et donc de ceux qui mènent cette danse-là. Et un des autres problèmes. Une économie qui a une mentalité de dette, hein, l'économie c'est de la dette, et c'est quelque chose qu'on vous vend. On vous vend quoi? On vous vend le fait de vous dire, le message c'est profiter de la vie, allez-y, partez en vacances, roulez dans une chouette voiture et autres, ce qui fait qu'en fait les trois quarts des gens, on leur apprend à, dès qu'ils ont la possibilité, c'est trouver un emploi et investir 100% de leur emploi dans leur style de vie et de faire des crédits à la consommation. Et en fait, en faisant ça, vous êtes complètement bloqué. Quelqu'un qui vient d'une famille fortunée ou qui a une mentalité pour construire une fortune, c'est quelqu'un qui va consommer un quart de ce qu'il gagne et investir les trois autres quarts. Alors, au début, il va démarrer beaucoup plus lentement que les autres, mais après quelques années et certainement à partir de la moitié de sa vie, il sera, lui, complètement tranquille, il aura le moyen de faire ce qu'il veut, ça va avancer. Alors, je ne dis pas que ça sera continuellement comme ça, puisque je vous ai dit que ça allait bouger beaucoup, mais clairement, on doit passer de cette mentalité de dette à cette mentalité d'investissement. Pour pouvoir faire quelque chose. La dette qui est aussi un piège, hein, la Chine la pratique souvent voilà, pour avoir notamment des positions stratégiques et avancer économiquement. Aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment dans un monde qui change? Ben, quand on voit que 2 milliards d'investissements dans les solutions durables pour 7 trillions d'investissements dans les solutions non durables et avec un impact négatif sur la nature, ben, c'est pas sûr, hein. Donc voilà, le fait qu'on pourrait arriver à un pic énergétique et donc en fait avoir moins d'énergie disponible, voilà, avec les explications sur le pétrole. Je vous ai parlé de la transition qui n'a pas eu lieu, le fait qu'en plus la transition s'est faite avec des matières fossiles de nouveau, qui n'émettent pas de carbone, mais néanmoins qui sont finies. Donc comment fait-on pour avoir assez de ces matières-là? C'est tous les pics matériaux, pics en eau, pics en matière rare, donc voilà, tout ça on l'a fait. Les frictions environnementales, hein, on parlait donc des 9 limites planétaires, ça c'est vraiment important, et ça je vous conseille de quand même les étudier comme il faut, c'est-à-dire au moins les connaître et au moins savoir que ce qu'il y a dedans, quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment important parce qu'en plus, vous allez voir qu'on parle de carbone non-stop, alors que le problème du carbone, c'est qu'en se focalisant que là-dessus, sans prendre en compte les neuf autres, en fait, on met un stress énorme sur les autres qui, comme vous le voyez, sont pas, c'est pas fou, quoi, en termes de qualité. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant avec son évolution au fil du temps. Alors, ensuite, là, vous allez les avoir en détail. Hein. Je vais les passer comme ça. On n'est pas non plus parti pour 50 milliards d'années. Donc voilà, on commence à voir ces premiers effets arriver. Inondations, feux de forêt, fonte des glaces, voilà. Le permafrost qui fond, tout ça sont des choses qui aujourd'hui arrivent. Les risques de pandémie, les risques de zombies, virus. Alors, il n'y en a pas de nom. Voilà la partie, voilà la terre que nature qu'on transforme
en surface industrielle exploitable, qui du coup fait que ben, on se chope plus de pandémies, zoonoses et autres, en tout cas plus de risques, les superbugs, donc résistance aux antibiotiques, bref, on arrive aux frictions politiques, la fin de la globalisation, on est dans une époque où on commence à voir qu'au lieu de toujours plus se globaliser, les États commencent à se refermer sur eux-mêmes, à ramener des industrialisations, soit dans leur pays, soit dans des pays plus sûrs en termes d'alliés. Hein, on voit voilà, le G7 avec le BRICS, avec des pays qui sont alliés sur certains domaines et ennemis sur d'autres. Voilà, avec les guerres proxy, les faits que les guerres ne sont pas forcément toujours des guerres, des conflits armés, les guerres économiques, guerres de l'information, guerres de la désinformation, tout ça est là. Voilà, quelques exemples de guerres proxy. Hein, voilà, l'impact sur tout ça qui crée de la migration. Ici, les projections sur l'immigration. Voilà. La fin de la démocratie, en tout cas la démocratie cassée par justement les conflits d'intérêts et les points économiques, la montée du coup, la crise de la confiance, parce qu'on se rend compte que la démocratie ne fonctionne pas, donc l'arrivée des partis extrêmes, le populisme, l'extrême droite, les techno-féodalismes, hein, donc voilà, j'avais parlé de ça, le fait qu'un nouveau mode remplace le capitalisme. Peut-être la fin de l'Internet pour les Internets, le splinternet. Alors ça non. Je vais d'ailleurs le dégager. Tic-tic-tic, voilà. En termes de social, friction sociale, donc tout ce qui est inégalité, hein, voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a vraiment énormément de choses et de chiffres sur les inégalités, qui est vraiment un point fondamental. Hein, pas de justice climatique, sans justice sociale, je pense. Voilà, donc toute la partie, justement, toute cette partie du système qui exclut quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et de façon progressive. Donc voilà, le besoin de challenge global. Ici, voilà, ici on arrive sur toutes les parties, on arrive sur un monde multipolaire, ce qui est beaucoup plus dur à contrôler. Une crise de l'information, du coup une crise de la confiance. Tout ça se trouve ici. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vois que ça bouge plus beaucoup, je vois de temps en temps qu'on en perd un ou l'autre qui se dit tiens, j'irai voir le replay si nécessaire. Donc j'avance, on est déjà bien avancé hein, quand même, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, tout ça. Donc le fait que les outils sont devenus les buts, hein, aujourd'hui on n'a pas besoin d'argent pour faire quelque chose ou de technologie pour faire quelque chose, on a besoin d'argent pour avoir plus d'argent et de technologie pour innover, pour faire un truc toujours plus innovant, mais au final, oula, pardon, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un énorme bruit de moteur autour de moi, mais probablement que les filtres ont dû le filtrer. Donc voilà, il y a une grosse dérive de sens et de raison d'être, clairement, dans le nouveau climat. Donc, on arrive dans un monde où la nouvelle norme, c'est plus de normes, hein, ou l'inattendu. Donc, voilà, le monde est plus polarisé, les futurs qui ont une sale gueule, hein, les imaginaires futuristes, le fait que c'est important de penser à l'avenir, même si c'est dur de le prédire, voire impossible de le prédire. Et ce n'est pas le but, en fait, de la prospective, ce n'est pas le fait d'avoir raison, c'est le fait d'avoir une réflexion pour se préparer, pour justement pouvoir prendre un peu plus de hauteur pour pouvoir penser à la stratégie. Donc, là, je vous explique plein de choses sur le pourquoi c'est dur de prédire le futur. Voilà. Donc ensuite, je parlais des mains invisibles, un peu comme les mains invisibles de l'économie d'Adam Smith. Ben voilà, les mains invisibles de l'ensemble des idées, en fait, de l'ensemble des structures, des réglementations de la culture. Le fait qu'il y a un décalage entre notre cerveau paléolithique, nos institutions médiévales et les technologies qui sont ultra avancées, voire presque qui nous donnent des pouvoirs divins. Donc voilà, dans le cerveau paléolithique, je parle des biais cognitifs. Voilà à quoi ça peut bien nous emmener. Ensuite, j'ai couvert donc la partie donc sur les institutions. Et puis voilà, où est-ce qu'on en est? Donc voilà, après un siècle de progrès hallucinant, où est-ce qu'on en est? Donc de nouveau, de très bons documentaires que je vous invite à regarder. Tout ça sur le site, il y a des vidéos NBND et tout. N'hésitez pas, je poserai pas de questions dessus parce que je vous dis, je vais pas vous faire regarder 22 heures de documentaire, mais il y a vraiment beaucoup d'informations et je vous invite à me revenir
si ça vous intéresse pour creuser. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je sais que voilà, c'est pas, vous n'avez pas que ça à faire. Mais néanmoins, je pense que si ce cours n'est pas critique dans votre pourcentage de score, je vous assure que avoir ce recul et être capable de progressivement tisser une toile de ce que ce monde est et de direction qui pousse, c'est vraiment quelque chose de salutaire, surtout si vous vous dirigez vers une carrière dans la stratégie, puisque avant, la stratégie pouvait simplement se contenter d'avoir une connaissance de la discipline et du secteur dans lequel vous alliez faire la stratégie. Aujourd'hui, les événements externes, exogènes, sont beaucoup plus impactants que ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, cette ouverture sur le monde est nécessaire pour la stratégie. C'est la méga machine ou le super organisme de Nate Hagens. Ouais, alors je connais pas le concept de Nate Hagens par cœur, mais j'ai déjà eu des discussions sur la méga machine et les super organismes. Donc, si ma compréhension est bonne de ce qu'est un super organisme, c'est quelque chose comme ça. Ça va dans cette idée-là, en tout cas. Voilà, bref. Mais c'est, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, ici je parle des détails sur les différentes révolutions industrielles. Je vais évidemment plus en détail sur la digitalisation, numérisation, parce que voilà. N'hésitez pas. Voilà, tout ça c'est sur l'ère numérique. Ah, c'est toutes les idées de les ères industrielles ont fait de notre société économique. Comme ce que Maslow explique pour les individus, hein, donc les marques, enfin les entreprises ont d'abord fourni des choses fonctionnelles, puis sécuritaires, identitaires, et puis sociales, et puis dans l'accomplissement du soi, voilà, comme ce que Maslow propose pour les pyramides, enfin les individus. Voilà tout ça. Voilà. Alors, ensuite, donc je vous dis, est-ce que. Les super progrès maintenant, où est-ce qu'on en est donc? Ah, on a fait les super progrès. On a voilà, c'est plus aussi fin qu'avant, plus autant de guerre qu'avant. On vit mieux, plus il est plus lettré, avec plus de démocratie, avec moins de pauvreté. Mais aujourd'hui, on constate que les guerres augmentent, la famine réaugmente, la pauvreté diminue moins vite, la pauvreté extrême diminue moins vite, la pauvreté. Type par pays augmente. Donc voilà, ici c'est encore sur tous les progrès. Et puis on arrive ici, voilà, donc les guerres qui augmentent, les dépenses militaires. Enfin voilà, on se rend compte qu'il y a une tendance aujourd'hui aux chiffres à s'inverser, mais ces chiffres, ils s'inversent que depuis 4-5 ans. Est-ce que c'est suffisant pour dire que en fait on était au pic du progrès, que maintenant on est en phase de déclin quand je dis en déclin, c'est pas forever, hein, c'est une phase de déclin, ou est-ce que c'est simplement une sorte de friction liée à la complexité de la situation et que ça va repartir de plus belle à un moment? C'est dur à dire. J'ai ma petite idée, mais c'est dur à dire. Bon, voilà, ici on parle de voilà, tout ce qu'on voit qui change par rapport aux grosses tendances lourdes des différentes années. Donc, et ça pour moi c'est vraiment important par rapport à ça, c'est quand est-ce que le futur a cessé d'être une promesse pour devenir une menace, et donc ça a aussi à voir avec notre imaginaire, avec le fait de ne pas vouloir y aller, avec voilà, avec tout ça a une forte importance. Et donc pour aller où? Ça c'est le dernier chapitre, hein, avec les imaginaires futuristes. Avec ben, un d'abord bien définir le problème, donc comment est-ce qu'on définit un problème, voir le fait que c'est global et méta, et ça sert à rien d'aborder un sujet. C'est nécessaire de démarrer les solutions de façon petite, hein, donc concentrez-vous sur bien communiquer de façon durable et autre, mais néanmoins, la solution ne vient pas de ces solutions spécifique, elle vient vraiment d'une compréhension méta. C'est pour ça vraiment que les deux sont importants. Le fait, un, d'accepter de changer, donc un, d'abord, pour arriver quelque part, il faut d'abord accepter de quitter ce qu'on a pour aller d'ailleurs, c'est là qu'on a besoin d'une destination inspirante. Salut Soltanov, parce que si la destination n'est pas inspirante, ça donne pas envie de quitter ce qu'on a de vraiment.
vraiment habitude et sur lequel on a d'énormes bénéfices, surtout nous qui sommes voilà, quand même des gagnants du jeu social par la chance qu'on a eue de naître dans une économie abondante, dans un continent qui est une des, voilà, agrouper des grosses économies d'Europe, que bah, voilà, si on est à l'université ou en école supérieure, c'est qu'on a globalement plus de chances que beaucoup. Donc voilà, dans ce jeu-là, on fait partie de ceux qui avons quand même de la chance, et donc c'est encore plus dur de quitter tout ça. Donc voilà, j'explique les différents points là-dessus. Hein. Pas de questions toujours, n'hésitez pas au cas où, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc à mon avis, il y en a beaucoup qui lurquent en se disant on verra bien, et dans le pire des cas, j'ai le replay pour voir, mais du coup, dans les replays, il n'y aura pas de questions si personne ne pose de questions. Du coup, le replay aura moins de valeur, mais c'est pas grave. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut abandonner. Mais alors, pour aller où? Donc, voilà, nouveau but, nouvelle raison d'être, nouvelle vision, nouveau héros, nouveau mythe. Donc, voilà, ça sert à rien d'essayer de réparer l'actuel. Il faut construire autre chose à côté et qui rend l'autre modèle obsolète. Et comme ça, les gens n'ont plus qu'à transiter d'un modèle obsolète à un modèle inspirant. Pardon. Alors, pour procéder à ça, il y a tout ce qu'on appelle la prospective, futurologie ou future thinking. Donc, je n'ai pas été dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et qui, je pense, va rentrer de plus en plus au sein de l'ensemble des entreprises. Voilà. Aujourd'hui, c'est surtout les très grosses boîtes qui le font, mais je pense que c'est salutaire de le faire. Voilà. Hop. Donc la différence entre les analyses de tendance et la prospective. Voilà, donc là j'explique un peu la méthodologie. Et ensuite, une fois qu'on sait où on va, comment est-ce qu'on y va? Donc on est prêt à quitter, on sait où on va, comment est-ce qu'on voyage? Et là, je parle de tous ces leviers qu'on peut utiliser, toutes ces forces qui sont des vents pour nous pousser dans la bonne direction. Et là, de nouveau, je les découpe en format STEEP. Hein, donc c'est le même... C'est la même structure, et donc je parle des forces sociales, je parle des forces politiques, hein, s'impliquer, voilà, tout. J'amène aussi, tiens, est-ce qu'on peut y arriver sans désobéissance civile et sans violence? Je lis. Je pense que la prospective est un métier d'avenir, en effet. Donc voilà, je viens poser les différentes questions, on parle d'éco-terrorisme. Est-ce qu'à un moment il faut venir à la violence, à l'écoterrorisme? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'écoterrorisme? Est-ce que le monde normal, gentil, qu'on essaie de défendre, c'est pas lui qui est écoterroriste? Bref. Les forces naturelles, hein, s'inspirer, biomimétisme, voilà, plein de choses qui sont liées à ça. Les forces économiques, hein, je vous parlais du modèle d'affaires, du business model tout à l'heure au cours, la question que j'avais posée, je pense que personne n'écoutait. Mais c'était là. Donc, est-ce que on peut simplement en communiquant sur un produit, un mauvais produit, c'est toujours abondé de la sorte. Donc voilà, ça c'est toutes les pistes qu'on peut utiliser. Quelqu'un parlait tantôt de transparence. Hein, ben voilà, transparence radicale, qui est le seul moyen de passer au-dessus de la crise de confiance du problème de la crise de confiance, voilà, bref. Donc voilà, les différentes approches, le multicapital, la circularité, le modèle du donut, voilà, tout ça est expliqué ici. Les forces technologiques, alors là, il y a plusieurs catégories, c'est un gros dossier. Il y a les leviers, et là, je pense que ça, on ne l'a pas vu. Donc je pense que je ne vais pas vous interroger sur cette partie-là. C'est dommage, parce que c'est bien sexy, et je pensais faire des lives là-dessus. Mais je pense que Eugène m'a manifesté qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt de votre côté. Et donc, bah, je vais gagner des heures dans ma vie. Et donc, je ne vais pas le faire. Bref. Donc voilà, tous les leviers technologiques. Ensuite, il y a les moonshots ou moonshits, donc les gros miracles technologiques qu'on nous annonce. Est-ce que c'est des vrais miracles technologiques? Est-ce que c'est des vrais miracles technologiques? Peut-être, mais qui viendrait peut-être pas à temps, ou est-ce que c'est des grosses blagues et qu'en fait ça sert simplement à prendre de l'attention et de l'argent d'investisseurs et de gens crédules? Et donc dedans, il y a la fusion,
Je ne dis pas que tout ça, c'est de la merde. Hein, je dis, c'est les vraies questions. Toutes les technologies quantiques, hein, avec l'ordinateur quantique, avec la communication quantique, avec l'encryption quantique, qui est plus ou moins la même chose que la communication. Donc voilà, le retour de l'ordinateur analogique, qui pourrait être une grosse solution au problème de consommation d'électricité des ordinateurs et d'eau des ordinateurs aujourd'hui avec l'IA. Donc ça, c'est une piste. Ça, c'est potentiellement un vrai moonshot, en tout cas de ce que j'ai creusé. Celui-là, il a l'air plutôt d'être moonshot que moonshit, par exemple. L'intelligence artificielle générale, et puis la super intelligence, le paradoxe de Moravec, hein, qui explique pourquoi les gens ont tendance à croire qu'on est plus loin dans la progression de l'IA que ce qu'on est réellement. Voilà, tous ces trucs-là sont là. Hop, 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 hop. Et puis, quelques projets inspirants. Là, par contre, je vous invite à aller les voir éventuellement. Ça pourrait être intéressant. Comme quoi, parce que ça, c'est des vraies solutions pratiques de gens malins qui font déjà des choses. Donc, peut-être, peut-être. Donc, voilà. Hop, les différentes inspirations. Terrible projet open source écologie. Vraiment terrible, franchement. Je vous invite à aller le voir. Ça fait 2 ans que j'essaie de contacter ces gars pour les avoir en interview sur Twitch, pour essayer de faire la promotion du modèle qui est absolument génial. Mais ils sont vraiment plutôt en train de monter des bulldozers et des panneaux solaires pour être autonomes dans la forêt que de fréquenter des gens qui font des interviews sur Twitch. Voilà, ici, toute une série de solutions inspirantes. Voilà. Pif, pif, pif. Et puis, les forces humaines. Les différentes forces. Voilà. Hop, voilà, tout ça, tout est là, toutes les vidéos sont là sur le site. Donc voilà, tout ça c'est la partie sur l'attitude et on arrive doucement au bout. Donc les conclusions, la démocratie qui est clairement le régime qui est le plus juste et normal, mais est-ce que c'est possible avec une telle complexité, un tel bordel de s'en sortir comme ça? J'espère que oui, mais je me pose parfois la question. C'est quoi le futur de la publicité dans ce genre de monde? Si demain on peut plus, dans un monde en décroissance, est-ce que la communication fait du sens et comment est-ce qu'elle ne serait pas encore plus importante le jour où la décroissance n'est pas choisie mais imposée? Donc, dans un monde qui ne se veut pas plus juste, alors il va falloir être de plus en plus efficace parce qu'il y aura de moins en moins et donc chacun se battra plus fort pour une partie du gâteau. Mais voilà, ça dépend vraiment. Donc le fait que le métier que vous allez faire n'existe pas encore, qu'il sert à résoudre des problèmes dont on ignore tout. Et donc voilà, ça c'est les grandes lignes. Voilà. Ça c'est ma revue des slides. Je vois que ça n'a pas beaucoup posé de questions pendant les slides, donc j'imagine que tout le monde est confortable avec ça. Est-ce que vous avez des questions pour terminer tout ça ou pas? Oh, merci Flamzone. Ok. Ben merci. Merci Flams pour l'abonnement. C'est marrant d'ailleurs. Je pensais avoir un autre. Donc voilà, merci, merci. Donc clair, super. Ben voilà. Alors pas de soucis. Si c'est clair pour vous, voilà. J'aurai peut-être encore une ou deux discussions avec Eugène sur le format, mais j'attends d'abord d'avoir des discussions avec Madame Pochet et Nicolas Lambert pour être sûr de. Je peux faire, pas faire, voilà, j'ai pas rempli non vu de passer 6 mois à corriger les copies. J'avoue que si j'avais du temps devant moi, j'aurais plutôt préféré une réflexion sur le futur, une dissertation dans laquelle on peut intégrer les points, mais si je dois lire 60 dissertations, je suis parti pour 2 mois, quoi. Donc, ouais. Et en même temps, peut-être. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Ça sera quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, ce sera de toute façon dans ce que je vous ai donné. Et je reviendrai encore chez Eugène. Et comme j'interface beaucoup avec Eugène, j'ai oublié le nom et je m'en excuse de la deuxième personne déléguée de classe. Mais voilà. Je vous souhaite alors une... Émilie, merci.
Donc, je propose qu'on fasse un petit raid pour terminer de façon un peu traditionnelle, si ça vous va. Il y a qui est en live là. Ah, il y a Sarah Coppona, tiens. Je vais vous envoyer chez Sarah Coppona. Je sais pas si c'est elle joue du piano, moi j'aime beaucoup. Alors, hop, on balance le générique de fin. Voilà. Et donc, bah, on se voit pour la suite plus tard. N'hésitez pas, si ça vous intéresse et que vous voulez des infos en plus, à suivre la chaîne, ce que je sais que certains ont déjà fait. Et puis sinon, bah, bonne continuation. Alors, Sarah Coppona. Voilà. Hop. Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.